voir si la marmite de riz est bien cuite. Est-ce que vous allez manger tout le riz pour savoir s'il est bien cuit? Non. Vous allez prendre une petite cuillère, vous prenez un peu, et quand vous mangez la cuillère, vous savez que le riz est cuit. Voilà. Il recommande qu'on fasse plutôt la période de 18-24 ans au lieu de faire 19-24 ans. C'est faisable, c'est une bonne chose, on pourrait changer ces variables. Mais la tendance, je vous rassure, restera la même. Si de 19 à 24 ans, on a 60% des consommateurs, eh bien de 18 à 24%, ça sera un peu peut-être plus grand, mais la tendance restera la même. Voilà, merci de cet ajout. Pour les antécédents de maladies mentales, j'aimerais bien parler en tant que psychologue. Eh bien, la maladie mentale, qui est un facteur lié à l'abus des consommations des SPA, eh bien, ça peut être en même temps une cause et ça peut être aussi une conséquence. Voilà. Quand des personnes ont une certaine fragilité au niveau mental, eh bien, ils peuvent se retrouver dans la consommation des SPA parce que entraînés par leurs amis, parce que désespérés, parce que déprimés, parce que étant très suggestibles, voilà. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent les pousser à la consommation des drogues quand ils ont une certaine fragilité au niveau mental. Mais encore, quand des personnes, des jeunes consomment de la drogue, après, on va les retrouver. Par exemple, si vous allez au CNPK, vous allez trouver beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont internés et qui ont eu des antécédents de consommation de drogue. Voilà. Et donc, la maladie mentale peut être en amont comme ça peut être en aval. Voilà. C'est les deux à la fois. Beaucoup de recherches ont retrouvé ça. Nous avons lu des recherches qui confirment qu'il y a ce facteur, qu'il y a une corrélation entre la maladie mentale et la consommation des SPA. Voilà. Pour la troisième question, le troisième commentaire, l'étude ABS qui a été faite en 2017 et qui parle des hotspots qui se trouvent à Bouyenzi, les lieux chauds qui se trouvent à Bouyenzi, est-ce que ça a évolué? Est-ce que les quartiers nantis, par exemple, dans ces quartiers nantis, il n'y a pas de lieu de consommation de drogue? Alors, je dirais que l'étude de l'ABS a été faite en 2017 et que nous, on a travaillé en 2022 et surtout, on a trouvé ces lieux chauds dans le quartier de Bouyenzi, mais encore dans d'autres quartiers. Mais par exemple, les jeunes des quartiers Kilili descendent vers Nyakabiga pour la consommation. Voilà, ils descendent vers Nyakabiga pour consommer. Bon, alors, je vais demander peut-être un peu à Damas, qui a été à Bouyenzi. Damas, vous avez bien été à Bouyenzi. Bouyenzi, Nyakabiga. Voilà, je crois qu'on n'a pas trouvé de lieu chaud à Kilili. Mais voilà, peut-être qu'il va s'exprimer après pour en parler un peu. Bon, alors, il y a une question statistique. La taille de l'échantillon, comment ça a été calculé? Ne vous en faites pas. On a beaucoup travaillé avec un statisticien pour avoir un visa statistique. Donc, ça a été très difficile d'avoir ce visa statistique. Il y a une équipe de l'ISTEBU qui est là et une équipe technique. Vous lui envoyez le protocole, en français, en kirundi, vous lui envoyez l'échantillon, vous envoyez tout ce que vous planifiez de faire, et ils vont dedans, ils cherchent, s'ils trouvent des manquements, ils vous renvoient, et il y a des va-et-vient, voilà, des allers-retours entre l'équipe technique et l'équipe de recherche.
Alors, on a pris peut-être deux mois, je crois, un mois et demi en tout cas, pour avoir ce visa statistique. Et finalement, nous l'avons eu. Nous allons le mentionner sur le rapport, le numéro du visa statistique. Sinon, nous avons aussi dans le rapport, nous avons un paragraphe concernant comment on a fait cet échantillon. C'était un échantillon, je vais combiner avec l'autre question, qui concernait, est-ce que cet échantillon est représentatif? On avait prévu un échantillon de 864 jeunes. Finalement, on a eu plus, donc 1006. C'est bien d'avoir plus, pas d'avoir moins. On a eu plus et c'est plutôt une bonne chose. Et cet échantillon a été représentatif. Vous vous souvenez bien, quand on étudiait les statistiques à l'université, on nous disait toujours, si vous voulez voir si la marmite de riz est bien cuite, est-ce que vous allez manger tout le riz pour savoir s'il est bien cuit? Non. Vous allez prendre une petite cuillère, vous prenez un peu, et quand vous mangez la cuillère, vous savez que le riz est cuit. Voilà. Et donc, ça, les statistiques, l'échantillon, on a bien pris soin d'avoir un consultant statisticien, qui n'est pas ici, malheureusement, pour vous convaincre. On a bien pris soin d'avoir des services statistiques pour s'assurer que tout se passera bien et qu'on pourra dire que ce sont les tendances des quatre provinces. Voilà, les quatre provinces, Bujumbura-Mairie, Ngozi, Gitega et Lumonge. On peut dire que cet échantillon a été représentatif. Là, je suis en train de répondre déjà aux questions de M. Akilusha. Alors, la deuxième question pour lui, c'était les jeunes de 15 à 24 ans, il y a une tranche qui a été oubliée. En fait, pour cette étude, nous avons travaillé sur les jeunes de 15 à 24 ans. Peut-être les jeunes de 8 à 14 ans, on avait besoin aussi de faire une étude les concernant. Mais attendons d'autres chercheurs ou d'autres initiatives qu'on s'occupe de cette tranche d'âge, les 8 à 14 ans. En fait, une seule recherche ne peut pas tout combiner en même temps. Voilà. Même après 24 ans, il y a des personnes qui continuent à consommer de la drogue. Voilà. Les adultes. Voilà. Mais, voilà, on a fait une délimitation, une certaine délimitation, et les autres tranches d'âge peuvent se retrouver dans d'autres études. Heureusement que notre bailleur est toujours là. Voilà. L'autre question, c'est une question concernant les recommandations. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Nakilusha, par rapport à ces recommandations, les services de désintoxication que nous avons oublié, qu'il faut des activités socio-économiques pour les jeunes. Mais en fait, il y a les services de rééducation. Dans les services de rééducation, ça devrait être pensé, donc les activités devraient être pensées dans le sens de rééduquer et réinsérer. Voilà. Et dans la réinsertion, on trouverait bien des activités voilà, socio-économiques. C'est très important de dire ça. Mais en fait, dans le rapport, il y a beaucoup plus que ce que j'ai dit dans la synthèse. Pour les recommandations. Je crois que c'est important de les lire. Peut-être ça va donner quelques idées à ceux qui font les commentaires, qui peuvent faire les commentaires. Allons à la... Je vais vous lire. Ce n'est pas pour prendre du temps, mais je vais vous lire les recommandations. D'abord, nous avons parlé des autorités policières et judiciaires. Voilà. Que les autorités policières et judiciaires, pour eux, donc en charge de la protection des droits de l'homme, ils devraient privilégier les peines alternatives à l'emprisonnement pour les usagers de drogue. Là, je réponds encore à la dernière question, mais Jean-Claude va peut-être répondre encore plus. Donc, privilégier des peines alternatives à l'emprisonnement pour les usagers de drogue, étant donné que l'incarcération produit souvent un effet pervers quant à l'usage de la drogue. Voilà. Donc,
vous envoyez un consommateur des SPA en prison. Quand il revient, il sait prendre les SPA, il sait tuer, il sait voler, il sait plein de choses. Voilà. Il apprend le crime là où il va. Voilà. Donc, il faut peut-être des peines alternatives. Mais on peut, c'est discutable. Il faut renforcer l'interdiction de l'usage de drogue dans les milieux pénitentiaires et la réinsertion socio-professionnelle après la prison. Ça va toujours dans les mêmes recommandations dont vous avez parlé. Il faut prendre toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui participent à la gestion du phénomène de l'usage de drogue dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupéfiants et pour sa prévention. C'est très important que des personnes qui s'occupent de ça puissent avoir des connaissances nécessaires, notamment là où vous travaillez, par exemple, vous devriez bénéficier des renforcements de capacités et aussi des formations continues. C'est très important. Il faut aussi développer la connaissance dans le grand public, hein, pas seulement pour vous, mais dans le grand public aussi. Alors, les partenaires Tekinco financiers, appuyer techniquement et financièrement les programmes de prévention, de prise en charge, de réduction des méfaits liés à l'usage des SPA, renforcer les capacités techniques de tous les partenaires, voilà. Les acteurs communautaires, on parle de sensibiliser, encadrer les communautés à l'abus des SPA, envisager la consommation comme un problème de santé publique. Il faut envisager cette consommation comme un problème de santé publique. C'est très important que tout le monde le comprenne dans ce sens. Et en cas de consommation des SPA, il faut référer sans délai la personne au médecin ou au spécialiste des addictions. Voilà, et initier des programmes de pair-éducation. Voilà, de pair-éducation. C'est bien pourquoi on a recueilli des témoignages pour écouter des jeunes qui s'en sont sortis. Voilà, comme ça, la pair-éducation est possible. Des jeunes qui s'en sont sortis qui essayent de sensibiliser les autres. Voilà. On a parlé aussi de multiplier les centres de désintoxication, de rééducation, sensibiliser les communautés, créer des services d'addictologie, des équipes multidisciplinaires, un accompagnement individualisé, renforcer les capacités à l'endroit des professionnels de santé, voilà, puisqu'il faudra des services dans les hôpitaux, développer des mécanismes de collaboration, donc travailler en réseau, voilà, collaboration et coordination aussi. Et pour la prévention, il faut intervenir dans les écoles, voilà, et pour que les jeunes, pour faire acquérir aux jeunes élèves des compétences pour refuser l'offre des SPA. Ça leur est offert, mais est-ce qu'ils ont des compétences pour dire non, non? Voilà. Alors, il faut des compétences pour refuser l'offre des SPA, résister à l'influence de ceux qui sont favorables à la consommation, résister aux amis. Voilà, parce qu'ils peuvent consommer par rapport aux autres qui leur demandent de consommer, donc aux amis, la compagnie. Sensibiliser les écoles pour corriger les fausses perceptions quant à l'usage positif des SPA. Donc des élèves qui ne connaissent que le positif des SPA, il faut que les écoles y aillent pour, voilà, pour présenter les effets négatifs aussi. Intégrer en milieu scolaire des thématiques drogue dans les clubs santé. Intervenir au niveau des familles pour développer des compétences parentales. C'est très important, les compétences parentales. Vous avez bien vu que des fois, la perte des repères, hein, les enfants non encadrés qui perdent les repères peuvent tomber dans les addictions. Impliquer les consommateurs de SPA dans les activités de sensibilisation. Mettre en place des mesures de prévention qui visent les environnements, les politiques publiques. C'est ce qu'on était en train de dire par rapport au texte de loi, par exemple. Voilà. Et mettre en place des programmes d'ISC. Information, éducation, communication. Voilà. Et quant au travail en réseau, c'est vraiment super important. Et je trouve que, par exemple, cet atelier de validation, diffusion, ça pourrait peut-être être quelque chose pour initier certains réseautages, voilà, networking. Donc les gens vont peut-être se connaître, se mettre ensemble, savoir ce que les uns et les autres font. Voilà. Donc on aura peut-être pendant les heures de pause ou même maintenant la connaissance des uns et des autres
pour constituer des réseaux.